Te dire une vérité. Écoute-moi la vérité que je vais te dire. Le prophète Ézéchiel dit La roue se levait, elle descendait, elle s'arrêtait, elle repartait. Chavuot, c'est un instant de gloire où la roue céleste s'est arrêtée sur les 120. Ils ont pénétré dans les interstices de la roue. Les gens vont dire Jacques Collin, il débloque est, est complètement dans la tête. Ils vont dire Il est fou. Mais je te dis la vérité. Moi, je sais que je dis la vérité. Ah, oh, je sens la gloire de Dieu qui remplit cette maison où je suis. Je sens la présence du Seigneur qui me bouleverse et qui me pousse à vous dire ces choses. Le feu est descendu, la roue s'est arrêtée un instant sur les 120. Il a lâché... Les flammes de feu, chacun a été touché. Mais qu'est-ce qui les a touchés La puissance de la parole de Dieu, la Torah révélée dans le feu. On parle du baptême de feu, on parle du baptême de feu. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Mais où trouve-t-on le feu Ce sont les rayotes, ces animaux, ces, ces, per ces êtres, ces êtres de feu vivants qui accompagnent la roue. Extraordinaire, extraordinaire. C'est le prophète qui disait. Lorsque je ne veux plus faire mention de toi parce que je suis fatigué et j'ai l'impression que tout va se terminer pour moi, il dit, mais il y a en moi un feu que je ne peux contenir. C'est quoi, mes amis, cela C'est la roue céleste qui tourne, c'est la Torah, c'est bête, c'est chine, c'est vape, c'est bête, c'est dalet, c'est tout ensemble. Le Seigneur a la capacité avec cinq lettres, mes amis, de renfermer la totalité de sa parole. Cinq lettres, côte à côte. Et je n'ai même pas cherché s'il y si avait un mot à découvrir à travers ces cinq lettres. Je n'ai même pas cherché. Peut-être ça vaudrait la peine de chercher. Mes amis, quelle puissance. Quelle puissance dans la parole de Dieu. Écoutez ce texte maintenant. De Pierre 1, 20. Et là, nous allons rentrer dans, une, dans un texte très, très important. Quelqu'un me dit l'autre jour qu'on leur a même suggéré, on leur a même suggéré, même suggéré tenez-vous bien, que probablement les prophéties ne servaient même pas à quelque chose. Si les prophéties ne servent à rien, je ne vois vraiment pas à quoi servait l'école de prophètes ou à quoi que ce soit. Ne perdons plus notre temps. Mais voilà ce que nous dit la Bible. Et c'est l'apôtre Pierre qui parle. Verset 20. Sachant, premièrement, vous-même, qu'aucune prophétie, aucune, il n'y a pas une exception. D'accord avec moi Pas une exception. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car... Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mes amis, ce texte-là ne peut pas nous échapper. C'est absolument impossible. Ce texte-là ne peut en aucun cas nous échapper. Aucune prophétie qui était été donnée. Vous imaginez Ézéchiel. David, je suis horrifié d'entendre ce que j'entends. On vient me dire que probablement le roi David n'était qu'un simple petit bonhomme qu'on a, qu a, comment dire, on a glorifié à l'extrême alors qu'en qu fait il n'avait rien fait du tout. On vient me dire à mes oreilles qui, qui sont en train de siffler, mais non, mais le roi David n'a jamais combattu Goliath. Tout ça, ce sont des inventions. Tout ça, c'est des inventions. Mais non, le peuple d'Israël n'a jamais traversé la mer Rouge. En fait, ils ont traversé la Mer Rouge à un endroit qui était un petit ruisseau minuscule qui fait qu'ils ont traversé sans problème. Il faut, ouais, Mais quand, mais quand j'entends ça, mes amis, je me dis, mais si David n'était qu'un petit bonhomme sans intérêt et qu'on a glorifié comme on glorifie un pharaon, je dis, mais alors n'apportons aucun intérêt à aucune de ces prophéties. Et tout ce qu'il a raconté, c'était que du pipeau, du n'importe quoi. Mais quand j'entends ça, mes amis, je me dis, mais ces gens qui enseignent ces choses n'enseignent pas la foi. Ils enseignent un chemin qui s'appelle le doute. Et lorsque tu es dans le chemin du doute, la finalité du chemin, lorsque tu arrives à la fin, parce que vous savez, tout chemin, tout chemin, à un moment donné, arrive à un but. Tout chemin va nous donner une finalité. Le chemin du doute, c'est quoi sa finalité? c'est l'incrédulité l'incrédulité tu doutes tu doutes tu remets tout en question tu finiras par remettre le machiah en question tu vas remettre tout en question et Élisée, euh, les visions qui ne servent à rien les prophéties qui ne servent à rien euh, on t'apprend tout et n'importe quoi mais c'est pas grave on fait de toi un, un bon pasteur quoi voilà bien 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 comme il faut quoi mes amis, je suis obligé, moi, on ne m'aime pas, on me critiquera, on me dira tout ce qu'on veut de moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, si les gens me critiquent, ils ne m'aiment pas, je dis, c'est ce que le Seigneur avait dit, continuera toutes sortes de mal sur vous, réjouissez-vous, parce que ça veut dire que votre nom est inscrit et que vous êtes dans les voies du Seigneur. Moi, je dis la vérité, je n'ai plus à craindre personne. Moi, je ne crains personne, je vous le dis ouvertement, personne. Mais je ne veux pas qu'on vienne me raconter des salades du style Le roi David n'était rien du tout, qu'un petit bonhomme qui n'avait en fini n'était rien fait du tout, et qu'on l'a sublimé sa vie en lui donnant des actes qu'il n'a probablement même jamais fait. Mes amis, quand j'entends ça, comment pouvez-vous accepter? Alors je ne lis plus la Bible. À quoi me sert de lire la Bible Elle n'a plus aucun intérêt pour moi. Si tout ce qui est écrit n'est probablement que des illusions, j'accroche ma foi à des choses qui n'ont aucune force, à des choses qui demain vont s'écrouler. Mais mes amis, écoutez-moi, si ça fait 4000 ans qu'elles ne se sont pas écroulées, ce n'est pas quelques personnages aujourd'hui, par leur raisonnement insensé, qui vont la faire tomber. 314. La roue céleste. La Torah de Dieu, la Torah d'Élohim, la parole d'Élohim, le Mashiach est inscrit dedans. Oh, j'aime cette phrase. J'aime Yeshua quand il dit « Moïse a écrit de moi ». Mais si vous ne croyez pas dans ce que Moïse a dit, il est normal que vous ne puissiez pas croire en moi. Comment tu veux bâtir la foi des serviteurs de Dieu et des croyants si tu crois même pas dans ce que la Torah te dit et de ce que te disent les prophètes dont nous venons de lire, qu'il n'y a aucune prophétie qui n'a jamais été donnée par l'intervention ou l'intelligence humaine. Tout cela vient de la source de l'Esprit de Dieu. Ce soir, je veux vous enflammer le cœur. Je veux vous enflammer le cœur. Je veux que vous soyez bouillants et chauds et très 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 chaud en disant Seigneur, ta parole est la vérité. Et rien ne me fera broncher sur ta parole. Je me tiens sur ta parole, mes amis, mes amis. Nos oreilles ont entendu. J'aime beaucoup le texte hébreu parce qu'il dit que j'ai entendu à mes oreilles, dit le texte, j'ai entendu le nom de la roue. Ça lui a chatouillé l'oreille. Il a entendu, entendu Galgal -gal, 314, la Torah de feu, mes amis. La Torah de vie. J'ai dit Seigneur, il faut que tu me dises quelque chose parce que comment je vais les convaincre Comment je vais les convaincre On me dit ouais, mais on me dit mais on peut faire dire tout ce qu'on veut à la parole. On peut faire dire tout ce qu'on veut. C'est bien ce que je dis. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais moi je dis pas n'importe quoi. Je suis en train de vous montrer que tout est programmé divinement. Le ciel a programmé ces choses. Le calcul du ciel est absolument inimaginable. Mes amis, si vous pouviez, je suis en train de travailler sur un texte ici, oui, c'est très très, très très incompréhensible pour l'instant, mais si tu vois ce qui est écrit là-dessus, je suis en train de dire, Seigneur, il faut que tu m'expliques des choses parce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre, je veux savoir qui est le Seigneur, je veux savoir qui est le Père, de, le Créateur de l'univers, je veux me tenir en lui, je ne veux, veux pas vivre comme ça bêtement comme un homme tout simple. Je ne veux pas mourir comme un simple. Non, je veux mourir avec l'intelligence de Dieu en moi. Si je dois quitter cette terre, ce sera avec l'intelligence de Dieu. Et si je ne la quitte pas que je vais directement près de lui, ce sera avec son intelligence. Mes amis, il faut vous accrocher à Dieu. Accrochez-vous à lui. Tenez-vous à lui. Rien n'est hasard. Rien n'est hasard. On m'a dit Moïse n'a pas existé. OK. Moïse n'a pas existé. Bon. Mais mes amis, lorsque tu lis. La Torah, le début de la Torah, déjà là, il y a un mystère absolument fabuleux. Lorsque tu libères Eshid et l'Orimet et Hashamahim, tu t'arrêtes à Hashamahim. Et quand tu t'arrêtes à Hashamahim, les trois premières lettres, c'est H-M. le nom au-dessus de ton nom. Et quand tu retournes hachem qu'est-ce que tu lis Moshe. Mais Moïse n'a pas existé, c'est pas grave. C'est pas très grave, il n'a pas existé. Ce n'est pas très très grave. Mais il est quand même écrit Hachem. Et quand tu retournes Hachem, tu vois Mosché. Et quand tu continues la lecture, deuxième, troisième, quatrième lame, qu'est-ce que tu lis, la deuxième, troisième et quatrième lame Tu lis Shemi. c'est mon nom. Mosché, c'est mon nom. Et tu continues la lecture, et les trois à l'air lettres, c'est Maïm de l'eau. Mais Moïse n'a pas existé, c'est pas grave. On leur pardonne ça. Moïse n'existe pas, c'est pas grave. Mais je vous dis une vérité à l'intérieur de la Torah, dans, 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 le, dans, dans le mot Bereshit bara Elohim et Hashamaim, le cinquième mot, le mot du souffle de Dieu, le mot de la lettre du souffle de Dieu, nous dit à l'intérieur et caché Moïse. Je l'ai caché dès le commencement de l'univers parce que j'avais besoin qu'il existe. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne Moïse, mosché, tu seras Dieu pour tu seras Dieu, tu seras Dieu pour Aaron, pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Mes amis, ainsi furent achevés les cieux et la terre lorsqu'ils furent créés. Béhi Baram, Béhi Baram en leur création, lorsque tu lis le mot, qu'est-ce que tu trouves En Abraham, Mais c'est pas grave, il n'a pas existé. n'est pas grave, il n'a pas existé. Mais moi je te dis qu'il est déjà là. Et de toute éternité, ils étaient là. Parce que Dieu avait besoin de ces personnages pour produire une Torah de feu. Une Torah qu'on ne peut plus discuter. Nous allons nous tenir sur cette parole. Mais c'est pas grave, il paraît que ça n'a pas existé. Et que tout ça n'est que du hasard. Moi je vous dis ceci, rien n'est hasard. Rien n'est hasard. La seule chose qui a changé dans la Torah, je vais vous dire ce que c'est, la seule chose qui a changé dans la Torah, c'est avec les siècles, c'est ce qu'on appelle la vocalisation. Parfois, d'une communauté à l'autre, on prononce différemment, mais les mots n'ont pas changé. Le nombre de lettres est calculé et n'a jamais bougé. Vous vous rendez compte que lorsqu'un un, 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 un rabbin, un scribe écrit une Torah à la main qu'à chaque fois qu'il voit le mot d'Adonai, il se purifie, il va même jeûner, parce qu'il n'oserait même pas écrire le mot d'Adonai sans être pur. Et nous, on nous raconte des bêtises, et on prononce le nom de Dieu en disant ⁇ Peut-être qu'il n'existe même pas, tout compte qu fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche ?⁇ Alors que le Juif, on peut dire ce qu'on veut d'eux, ils sont ceux qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs succès, leurs échecs, et tout ce que tu peux imaginer. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont un respect de Dieu et de la parole de Dieu. Et même s'ils ne comprennent pas tout, s'ils ne comprennent pas encore le machillard parce qu'ils ont un voile, mais au moins ils respectent le maître créateur de l'univers. Et lorsqu'ils voient son nom, ils sont complètement subjugués par le nom. Et nous nous prononçons souvent... Pff, mais est-ce que tu comprends Pourquoi il est dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain mais prendre, respecte le nom. Respecte le nom. C'est très important que nous respections le nom. Je ne peux plus me permettre n'importe quoi. Mes amis, quelle force, quel texte. J'aime cette parole. C'est le Seigneur qui le dit. Mosché a écrit de moi. Et si vous ne croyez pas que Mosché a écrit de moi, comment voulez-vous croire dans mes paroles Puisque mes paroles, c'est la Torah. Est-ce que vous comprenez le raisonnement Ah, oh, mes amis, ah là, je voudrais que ton cœur soit bouleversé du Seigneur, bouleversé de Dieu, que plus jamais, plus jamais, à tout jamais plus jamais tu ne prennes la parole à la légère que tu ne prononces plus jamais le nom de l'éternel à la légère tu te rends compte que c'est lui qui nous a donné cette puissante parole remplie de puissance et de feu oh ma prière ce soir ma prière ce soir ce serait de dire écoute mon dieu s'il te plaît est-ce que tu ne peux tu ne voudrais pas, s'il te plaît, faire une petite halte avec ta roue sur chacun de tous ceux qui m'écoutent. Fais une petite halte afin que nous puissions rentrer dans les interstices de la roue pour puiser de ce feu divin avec l'homme avec revêtu de lin. Oh là, là 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 là. Quelle puissante parole! Quelle puissante parole! Lorsque l'on parle de la Torah, vous pourriez passer votre vie entière, n'aurait jamais tout et J'étais en train de réfléchir sur le lin, l'homme vêtu de lin. Vous savez qu'en hébreu, il y a trois mots pour dire le lin, mais nous en parlerons en autre cours. On nous en parlerons en autre cours d'eau. Un mot magnifique qui se trouve au début, qui est chèche Et puis il y a bad. Et puis il y a la, la, le mot m'échappe maintenant, le, le lin lui-même, le, le, la tige de lin elle-même. Mes amis. Dieu a tout mis dans sa parole, sans aucun hasard. Rien n'a été donné à l'être humain par hasard. Dieu avait tout pensé avant même que nous commencions à venir sur cette terre. Tout était prévu. Le plan de Dieu n'est pas hasardeux. Lorsque nous nous tenons dans sa parole, nous ne marchons pas au hasard des jours, nous marchons à la lumière de la Torah. Il y a un texte magnifique qui dit que Dieu tient de la lumière dans sa main et qu'il lâche la lumière. Il lâche la lumière. D'ailleurs, vous savez, que, un, 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 si je fais un petit décodage hébraïque très intéressant, quand il est dit Kitov, Dieu regarde, Dieu regarde la lumière, vous savez ce qu'il dit Lorsqu'il regarde la lumière, écoutez, c'est absolument intéressant. Dieu, c'est les prémices de, de, du livre que je suis en train d'écrire. Il, il y a un petit passage qui explique. Dieu regarde la lumière, va'ir elorim ahor, kitov. Kitov, c'est, il regarde la lumière, car bonne. Car elle est bonne. Je me suis dit, c'est étrange ce texte, parce que quand je lis qui... Tout de suite, ça me fait tilt au niveau de la lettre hébraïque. Évidemment, ça veut dire car ou parce que. Mais si tu regardes les deux lettres, si tu regardes les deux kaf, yud, kaf c'est la main et yud c'est Dieu. C'est la main de Dieu qui tient la lumière. Il regarde la lumière, mais en fait, il la regarde dans sa main. Car elle est bonne. Et au moment où il la regarde dans sa main, car elle est bonne, la lumière peut partir. Et c'est ce que nous dit la Bible, il tient la lumière et de sa main sort les rayons de sa lumière. Vair Elohim ahor kitov, parce qu'elle est bonne, parce que sa main la contient et qu'il peut la laisser aller. C'est un décodage du texte à travers la lettre. Toute la Torah. Un million de vies. Si nous avions un million de vies, nous n'aurions jamais encore tout compris. Parce que cette Torah est tellement puissante et tellement éternelle, tellement incroyable. Et on me dit, mais non, mais on peut faire tout dire. Mais je préfère tout dire de Dieu que de dire que des bêtises. Je préfère tout dire. Et je vais même vous dire autre chose. Je préférerais faire une erreur dans un décodage que de dire que la parole de Dieu n'est que hasard. Je préférerais, oui, que Dieu nous garde que dieu nous garde de ne pas rentrer dans des systèmes dangereux et qui ne nous éloigne non pas de la foi mais qui nous amène qui nous amènerait dans l'incrédulité parce que si dieu n'existe si moïse n'existe pas dieu n'existe pas si jacob n'existe pas israël n'existe pas si israël n'existe pas le machiavelli n'existe pas alors nous arrêtons tout ici et nous allons nous amuser et faire notre vie, puisque de toute façon, si tout ça n'existe pas, le paradis n'existe pas et l'enfer non plus, on arrête là. Mais mes amis, voilà des milliers d'années que des gens ont donné leur vie pour Dieu. Ils sont morts pour la foi, parce qu'ils avaient en vue de loin quelque chose d'absolument extraordinaire. Et nous allons remettre en question Non. Naboth, Naboth, vous savez qui est Naboth hein Il a préféré mourir. Que de, les, que de vendre son héritage. Il a dit, mon héritage, je le garde. Tu peux me donner un meilleur qui ressemble identiquement le même. Il dit, ben, mon héritage, je le garderai. Mes amis, je vais clôturer en vous disant ceci, si nous sommes là ce soir, tous rassemblés, c'est parce que dans les siècles passés, des gens ont donné leur vie pour le Seigneur. Ils sont morts, certains ont été torturés, décapités, pour la foi. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à leur mort. Certains ont payé de leur vie pour que nous ayons un héritage. Et nous n'avons pas le droit, ni l'un ni l'autre de dilapider cet héritage en bêtises et en raisonnements qui vont contre la connaissance de Dieu. Et l'apôtre Paul a bien raison de le dire, nous renversons toutes les hauteurs et tous les raisonnements qui s'élèvent contre quoi Contre la puissance, mais ben pas du tout. Contre la connaissance. Parce que la puissance, tout le monde en veut, mais la connaissance, tout le monde n'en veut pas. Contre la connaissance de Dieu. Je renverse les raisonnements. Je veux rien savoir. Ne viens pas m'ennuyer avec tes bêtises. J'ai pas de temps à perdre, mes amis. Avant de nous quitter ce soir, je voulais vraiment parler de ça ce soir. C'est vraiment été pour moi très important de vous dire. Accrochez-vous, accrochez-vous. Ne vous laissez pas détourner par quoi que ce soit. Ne vous laissez pas détourner par quoi que ce soit. J'aime beaucoup ce texte, vraiment. On va, terminer, on va le relire avant de terminer parce que ce texte est très important. Il faut le souligner en rouge, en bleu, en vert, en jaune, en tout ce que tu veux, mais il faut le souligner. Toute écriture est dans, est écrite par le souffle, l'esprit d'Élohim. Traduction exactement littérale. Toute écriture, c'est le souffle d'Élohim. Toute la parole, toute la Torah. Toutes les lettres de la Torah. Vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué dans les lettres hébraïques Quand tu additionnes toutes les lettres hébraïques les unes après les autres, 1 plus 2 plus 3, tu fais le total général, valeur 253. Et 253, c'est quoi C'est à Rachem, la matrice. La matrice. Le, la Torah, c'est la matrice de tout l'univers, de toute notre vie. Et c'est là que se cache, ou plutôt que se dévoile le Machiach. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, pas inutile, elle est utile pour enseigner l'Amed, l'enseignement, pour enseigner, pour convaincre. J'espère que ce soit, je vous ai convaincu. J'espère que je vous ai convaincu, que je vous ai mis le feu. Vous n'allez pas dormir cette nuit, le feu va brûler dans votre maison, du Canada en Suisse, en Belgique, partout, le feu va brûler dans tous les coins. Pour convaincre la parole de Dieu, la Torah de feu a été donnée pour vous convaincre que ce que Dieu dit n'a aucun hasard. Pour convaincre, pour corriger. Les erreurs qu'on peut faire. Vous voyez que ces textes sont quand même forts, avouez hein. quand même des textes exceptionnels, franchement, pour instruire dans la justice et pas dans l'erreur, afin que l'homme de Dieu, la femme, soit accompli et propre, propre, pas du n'importe quoi, propre à toute bonne œuvre. Mes amis, je souffle, je souffle. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu, nous ne voulons pas te quitter avant de te prier, de te dire combien nous connaissons qui tu es. On parle des fondements de la foi, mais je pense que là, ce fondement de la foi est quelque chose de si important que nous ne pourrons jamais le remettre en question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse prier un court moment ensemble nous allons nous tenir devant le Seigneur de toutes choses, le Seigneur de la création, devant le Dieu de la Torah, devant le Machia lui-même en personne, qui est la parole. Il a dit Je suis la parole, je suis la vérité, je suis la vie. Mes amis, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance nous allons fermer nos yeux, nous allons nous tenir les, profondément les mains sur le cœur, nous serrer le cœur et dire, nous prenons notre Bible avec l'histoire de Mosché, des prophètes, du Machiar, de Yeshua, nous tenons notre Bible et nous prions et nous disons, ô oh, Éternel notre Dieu, nous nous tenons devant toi, ô oh, Créateur de l'univers. Ta parole que tu nous as donnée n'est pas le hasard. Nous te disons tous ensemble. Nous ne croyons pas que tu es du hasard. Tu es véritablement le créateur de toutes choses. Ta parole est la vérité. Nous nous tenons sur cela et nous proclamons que tout ce que tu as dit, c'est la vérité et que rien ne pourra échapper à ta nature, à ta vérité. Éternel, ce soir, je te prie avec, avec puissance, pour tous mes frères et sœurs ici en ligne et ceux qui écouteront plus tard, te demander, relâche du feu de ta roue céleste et arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi un moment sur leur maison, afin qu'ils qu'ils recherchent, qu'ils rentrent dans le feu de la roue et qu'ils reçoivent, Seigneur, cette puissance, mon Dieu, cette puissance extraordinaire, mon Dieu, de la roue céleste. C'est toi, mon Dieu, c'est toi que nous voulons et nous proclamons, nous proclamons, ta parole est la vérité, ta parole. Est la vérité, ô oh Dieu, je te le dis. Je crois que ta parole est la vérité et que rien ne s'y oppose, et que tous ceux qui voudront s'opposer à ta parole, si ne nous pourrons plus jamais être des gens qui pourront fonctionner comme des êtres normaux, nous disons ta parole est la vérité. Éternel Adonai, notre Dieu. Créateur de l'univers, toi, ô Seigneur éternel, Yeshua, notre Sauveur, tu es Seigneur l'homme ô, ô, dont la robe était le lin, et c'est à toi que nous nous adressons. Ô mon Père, mon doux Seigneur, viens visiter ton peuple, viens les visiter, ne les laisse pas comme ça, viens les visiter, afin que le feu, Seigneur, les pousse à t'aimer, à te servir davantage. Ainsi, nous prions avec force et conviction dans le nom de Yeshua, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. 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 Oh, mes bien-aimés. Oh, Alléluia. Ne sois jamais désespéré. Ne sois jamais désespéré. Non, non, tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Comme dit la chanson, tout va très bien, Madame la Marquise, mais ici tout va très bien. Le ciel est en ébullition. Que Dieu vous bénisse tous.